Eh bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien on va reprendre un ancien concept. Ça fait vraiment super longtemps que je ne l'ai pas fait. Ça doit au moins faire 2 ans que je n'ai pas sorti une vidéo de ce type. Mais ici on est reparti, on va découvrir un genre musical aujourd'hui. Et ce genre musical, c'est le Nightcore. Vous savez pas c'est quoi? Genre vous avez vraiment jamais entendu parler de ça? Bah tant mieux hein. On va le voir ici durant la vidéo et je vous dis générique. Du coup, le Nightcore, en résumé, si je devais faire une vidéo de 10 secondes, je vous dirais le Nightcore, c'est une musique originale qu'on accélère, qu'on met sur YouTube et les gens kiffent parce que c'est plus rapide que l'original. Ça, c'est la définition en 30 secondes. Je vais vous mettre quelques exemples maintenant à l'écran pour que vous compreniez mieux. Voilà, donc maintenant vous avez eu 2-3 exemples, vous êtes content, vous avez capté. Mais maintenant que vous avez eu les exemples, on va regarder ce qu'en dit Wikipédia, parce que Wikipédia c'est la source sûre, attention hein. D'après Wikipédia, le Nightcore est un style d'édition électronique qui consiste à accélérer le tempo d'une musique déjà existante. Il en résulte une augmentation de la hauteur de la musique, en particulier perceptible au niveau des voix, ce qui caractérise ce genre. Et c'est apparu vers les années 2002-2003, donc ça fait quand même limite 20 ans que ça existe. C'est tout simple format vidéo pour mettre sur YouTube, parce que il suffit que tu trouves une image un peu kawaii, un peu Japan comme ça, tu la mets, tu mets ta musique Nightcore derrière, les gens sont contents et let's go, à toi les vues. C'est vraiment un business royal sur YouTube, le Nightcore. Donc tu peux taper tout et n'importe quoi, ça existe. Pour certaines musiques, il y a plus de vues sur leur mix Nightcore que sur la musique originale. En attendant, pour la vidéo aujourd'hui, je vous ai demandé sur Insta, mon Insta qui s'affiche juste là, et je vous ai demandé aujourd'hui en story quelles étaient vos musiques préférées du moment. Comme ça, vous allez voir que même les musiques les plus récentes, elles ont un remix Nightcore. Qu'est-ce que j'ai eu comme réponse? Kungs, clap your hands. Tapez Kungs, clap your hands, Nightcore à côté, et là, qu'est-ce qu'il va se trouver? Un remix Nightcore. Et là, on va voir si c'est un bon remix ou pas. Celle-ci, c'est vrai qu'elle était pas mal, genre ça te met dans un bon mood. Enfin, vous avez capté que ça me mettait dans un bon mood. La musique suivante qu'on m'a proposée, c'est un Nightcore avec Yobrour. Donc, encore une fois, il y a le choix. Hein. Donc, il y a quoi? Il y a King of the Devil, il y a Engeltier, The Master, donc... Franchement, vous avez le choix. Allez, on va écouter King Van de Duivel en accord, parce que de base, c'est déjà une musique assez rapide. Donc, je me demande ce que ça donne encore plus accéléré. Mais je vous l'avais dit, de base, elle est déjà rapide, donc si tu l'accélères encore, c'est normal que ça soit gros délire sa mère, quoi. Une des dernières qu'on m'a proposé, c'est la musique de DC et Damso Rencontre. Vu qu'elle est sortie il y a pas longtemps, il y a des chances que le remix Nightcore soit pas encore sorti. Et donc là, vous voyez, genre, il y a un remix en Nightcore qui est sorti il y a 16 heures. On va écouter ça pour voir ce que ça donne. Mais moi, je suis heureux. Ah, elle est pas accélérée, genre le remix est un peu claqué au sol. Et après, dans le Nightcore, il y a encore une autre branche. Donc ça, c'est totalement l'opposé. Ça s'appelle l'anti-Nightcore. Donc le Nightcore, le principe, c'est quoi? C'est d'accélérer la musique pour que ça soit vraiment plus speed. Et l'anti-Nightcore, c'est vraiment de diminuer la musique pour que ça soit super lent. Il est l'heure du tuto, c'est un peu ce que vous attendez, vous avez certainement cliqué sur la vidéo pour avoir le petit tuto de comment faire du Nightcore. Donc ici pour l'exemple, j'ai choisi une musique, c'est la nouvelle musique de Yann, il y a du soleil et des nanas. Et là, on va faire un petit remix Nightcore dessus. Donc moi, comment je fais? J'ai une technique, en gros, c'est tu laisses la musique originale sur le tempo où elle est, et de là, tu viens rajouter des kicks et une petite basse dessus, et vous allez voir, ça va directement mieux sonner. Du coup, bah, pour poser les kicks dessus, qu'est-ce que je fais? Bah, moi, je la remets dans les temps, et après, on vient rajouter un petit kick de psytrance. Après, si vous avez d'autres kicks, si vous voulez faire avec d'autres choses, vous pouvez, mais moi, c'est comme ça que je fais avec des kicks de psytrance. Donc à chaque temps, tu viens en mettre un. Et là, vous vous dites, ah mais gros, là, t'as juste rajouté des kicks et une ligne de basse. Tu m'as dit que la musique allait être accélérée. Et c'est comme ça qu'on faisait un Nightcore. Oui, mais en gros, moi, ce que je fais, c'est que je mets d'abord tous les kicks sur la musique et seulement après, je vais l'accélérer parce que je sais pas, je trouve ça sonne mieux et je trouve ça un peu plus simple. Du coup, ici, on va se retrouver une fois que j'ai mis tous les kicks et la basse partout. J'ai mixé ça aussi et je vous refais tout écouter. A few moments later. Donc là, on est de nouveau dans le logiciel de montage avec la musique exportée que je viens d'accélérer. Donc comment j'ai fait? Je vais dans Channel Setting, je viens ici dans le Pitch et là, j'accélère. Et je l'ai mis dans le Range 3, comme ça, c'est encore plus accéléré. Et ça donne ceci. Et
Et donc maintenant, on a fait le remix Nightcore. Mais vous vous dites, bah ouais, mais le remix, il est fait. Et c'est quoi après? Eh bien, vous allez voir, je vais vous mettre sur mon logiciel de montage. C'est encore plus facile. Genre, c'est un montage. T'as jamais pris moins de temps pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, vous glissez votre musique dans votre logiciel de montage, que ça soit n'importe quoi ici. Vous glissez votre musique. Vous prenez une image un peu kawaii, un peu Japan, comme je vous ai dit. Généralement, dans une vidéo sur deux de remix Nightcore, il y a des petites particules. Une fois que vous avez mis le green screen, vous l'ajoutez. Et maintenant, on va regarder tout ça. Voilà, comme ça, vous avez le principe. Ce remix, je ne sais pas encore s'il sortira lundi qui arrive ou jeudi suivant. Mais comme ça, vous aurez l'exemple sur YouTube et vous allez voir, ça va être trop bien normalement. Donc voilà, bah pour le tuto du Nightcore, bah j'en ai fini. Vous avez bien capté le principe d'accélérer. Vous avez bien capté l'anti-Nightcore. Donc le principe, c'est de ralentir au maximum la musique. Mais sinon, bah à part ça, bah on a fait le tour du Nightcore. Hein. J'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose. Si jamais j'ai dit un truc qui allait pas trop, contredisez-moi dans les commentaires, dans le fond. Je serai toujours là pour débattre avec vous. Moi, ma vidéo, elle est terminée. Je vais vous demander de liker. Je vais vous demander de vous abonner. Vous avez jamais entendu ça, je suis sûr et certain. Mais oubliez pas, parce que ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Et moi, en attendant, j'en ai fini et je vous dis bisous les copains.